Alors nous voulons voir tous nos yeux fixés sur toi, car
accorde-moi la grâce de faire entendre ta parole. Pour une parole, mon Dieu, qui vient à la pensée humaine, je foule la réflexion et une révélation profonde de ta parole. Merci d'ouvrir nos cœurs, Seigneur, afin de saisir la pensée, afin de recevoir ta parole comme une sémence incorruptible, afin que nos vies soient bouleversées. Je te demande ce matin de nous bouleverser. Je te demande ce matin de nous challenger. Je te demande ce matin de nous moindre d'une façon particulière. Je demande ce matin que tu puisses nous visiter d'une façon extraordinaire. Je demande, Seigneur, oui, l'approbation de l'Église. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que mot pour mot, phrase pour phrase, qui sortira de ma bouche, soit inspiré de toi, au nom de Jésus. Père, merci pour le contrôle de toutes choses. Et merci de toi-même qui s'installe au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Et nous vivons tous. Amen. 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 Je veux remercier dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux nous aider à saluer ton frère de l'autre et de droite? Dis-lui-tu au bon endroit, au bon moment. J'ai l'impression que tu n'as pas bien entendu. Est-ce que tu pourras nous dire tu es au bon endroit et au bon moment? Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un est béni d'être là ce matin? Est-ce que quelqu'un est béni d'être là ce matin? De nous retrouver encore une fois depuis ce matin. Je reviens tout droit de l'Angleterre. Nous avons atterri vers 9h de Marie-Louis. Grandement de retard sur la route, sur la région du champ. Et le Seigneur a fait grâce que nous puissions quand même arriver. Alors je ne voulais pas rater le moment à l'adoration. Alors que j'étais encore bloqué à la croix, je disais Seigneur, fais grâce. Parce que l'important, ce n'est pas d'abord de venir et de faire le speech, l'important, c'est d'abord être en communion avec Dieu. Amen. Être en contact avec le Seigneur et le reste vient après. Et quand je suis rentré dans la salle, j'ai senti cette atmosphère de joie, de faveur, de grâce et de bénédiction. Alors je disais, ça, c'est merveilleux. Amen. 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 Alors, je comprends pourquoi David pouvait dire qu'un jour dans tes paris vaut mieux que mille ailleurs. Gloire à Dieu. Je crois que nous allons essayer de trouver une solution à cause de la chaleur, parce que beaucoup sont en train de partir. Dieu va nous faire grâce, Dieu va nous aider. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Ok. Que le nom du Seigneur soit béni. J'aimerais particulièrement accueillir un couple, bien pour moi, un couple d'enfants que j'ai eu il y a très longtemps et qui ont fait la grâce de venir nous voir ce matin. Et je crois qu'ils ne sont pas seulement venus nous voir, c'est des choses après. Alors j'aimerais vraiment qu'on puisse les accueillir avant d'accueillir tout le monde. Notre frère Brice Massé, Sandra, de nouveau. Je vais vous parler d'un thème. J'ai eu à l'aborder le mardi. C'était comme juste une introduction. Et aujourd'hui, nous allons essayer d'aller un peu en profondeur. Je parlerai du service divin. Dis avec moi le service divin. Le service divin. Dis à ton voisin de gauche le service divin. Le service divin. À celui de droite le service divin. Le service divin. À celui qui est devant toi le service divin. Le service divin. Et celui qui est derrière toi le service divin. Le service divin. Pour ceux qui sont derrière, non personne derrière, c'est pas grave. Gloire à Dieu. Nous allons aller rapidement dans la parole de Dieu. Nous allons prendre 4 textes rapidement. Le premier se trouve dans le livre de 1 Chronique. 1 Chronique au chapitre 28, verset 9. 1 Chronique au chapitre 28, verset 9. Je demanderai vraiment notre attention ce matin.
1 Chroniques chapitre 28, le verset 9. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et serve-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Amen. Le deuxième texte est dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 11. Romains, chapitre 12, juste le verset 11. Romains 12, verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Le troisième texte dans le livre de Colossiens, chapitre 3. Colossiens, au chapitre 3, nous lisons le verset 23 au verset 24. Colossiens 3, 23 à 24, il est dit: tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Amen. Amen. Le dernier texte se trouve dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 11. Matthieu 11, le verset 28 au verset 30. Matthieu 11, verset 28 au verset 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Amen. Amen. Le service divin. Quand on parle de service, le mot service sort le mot servir. Il donne aussi le nom serviteur. Alors j'aimerais d'emblée nous donner quelques définitions d'après le dictionnaire déjà pour commencer. C'est quoi le service? Alors, le service, premièrement, servir, c'est être utile pour quelqu'un ou pour quelque chose. Servir, c'est être utile pour quelqu'un ou quelque chose. Deuxièmement, servir, c'est faire office de. Faire office de, ou encore pouvoir être utilisé en tant que. Lorsqu'on dit qu'on sert, on fait office de quelque chose, ou on est utilisé en tant que quelque chose. Troisième définition, le mot servir, plutôt le verbe servir, vient du latin servire. Servire en latin, qui signifie littéralement être esclave, ou encore vivre dans la servitude. Servir égale encore être esclave ou vivre dans la servitude. Une autre définition du verbe servir, c'est s'acquitter auprès d'une personne de certaines obligations ou fonctions. S'acquitter auprès d'une personne de certaines obligations ou fonctions. Amen. Et le mot serviteur, le mot serviteur dans le grec doulos, nous parle littéralement d'un esclave, de quelqu'un qui est esclave ou encore au service de. Alors, avant de comprendre le service divin, j'aimerais d'abord que vous puissiez comprendre, que tout le monde puisse comprendre avec moi, que tout le monde est serviteur. C'est-à-dire, si vous ne servez pas Dieu, vous allez servir autre chose. Vous allez servir quelqu'un d'autre. Donc, il n'y a personne sur cette terre qui peut dire, moi, je ne sers pas, je ne suis pas serviteur ou je ne suis pas servant. Nous sommes tous, à quelque niveau que ce soit, consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement, serviteurs. Alléluia. Amen. Alors, on peut servir soit le monde, soit on peut servir le royaume de Dieu. On peut soit servir Satan, ou soit on peut servir Dieu. Et si vous lisez dans Romains chapitre 6, verset 16, verset 18, Romains 6, 16 et 18, la Bible dit ceci: ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Verset 18: ayant été affranchi du péché,
vous êtes devenus esclaves de la justice. Donc la Bible nous montre ici que nous sommes, lorsque nous livrons au péché, nous devenons esclaves du péché. D'ailleurs, Jésus-Christ nous le dira lui-même. Dans Jean chapitre 8, verset 34, il dira, quiconque se livre au péché devient esclave ou encore serviteur du péché. Donc à chaque fois que lorsque nous étions païens ou nous étions dans le monde, ou à chaque fois que nous marchions pas droit devant Dieu, on était peut-être un peu dedans, un peu dehors, on pouvait marcher dans le mensonge, dans la convoitise, on pouvait être dans la fornication, on pouvait être dans l'ivresse, dans l'ivolerie, dans la drogue, dans des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. À chaque fois qu'on pratiquait le péché, en réalité, on était esclave du péché. Et en étant esclave du péché, forcément, on était serviteur du diable. Serviteur du diable, pas consciemment, mais inconsciemment. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. Mais le jour où nous avons été affranchis de la servitude du péché, nous sommes devenus maintenant non plus esclaves du péché, mais esclaves de la justice, parce qu'en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Jésus nous délivre et nous affranchit du péché de la mort. Il nous délivre de la puissance des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils. Colossiens nous dit, rendez grâce à Dieu le Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivré de la puissance des ténèbres et il nous a transporté dans le royaume de son Fils, en qui nous avons la rédemption par son sang et la rémission du péché. Donc lorsque nous acceptons Jésus, nous avons été délivrés du royaume des ténèbres et nous avons été transportés dans le royaume de Dieu, dans le royaume de lumière. Et dans ce royaume, lorsque nous entrons, automatiquement nous devenons esclaves ou encore serviteurs de Dieu. Donc le mot serviteur de Dieu n'est pas une catégorie qu'on doit, on ne doit pas plutôt l'attribuer seulement aux pasteurs, aux apôtres, aux prophètes, aux docteurs, à ceux qui peuvent passer devant la chair pour servir. Non! Lorsqu'on est enfant de Dieu, on est appelé à être serviteur, on est appelé à être servant. Amen. Amen. Et béni soit le nom du Seigneur qui, lui, nous a rachetés, qui nous a rachetés par son sang. Et en nous rachetant par son sang, il a fait de nous un peuple qui lui appartient, un peuple zélé pour lui, un peuple mis à part, un peuple qui porte désormais son nom, un peuple qui devient sa propriété. Donc, si tu es en Jésus, sache que tu es devenu la propriété de Jésus. Tu ne t'appartiens plus, tu t'appartiens maintenant à Jésus. Et si tu appartiens à Jésus, que tu appartiens à Dieu, en réalité, tu es appelé à devenir son serviteur ou encore sa servante. Amen. Bien-aimés, nous sommes sauvés par grâce. La Bible déclare, c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Personne d'entre nous n'a mérité le salut. Aucun d'entre nous n'est digne de trouver ou de recevoir le salut. Aucun parmi nous n'a la capacité de dire, bon, oui, moi c'est parce que je prie que je suis sauvé. Moi c'est parce que j'ai payé de l'argent que je suis sauvé. Moi c'est parce que, j'ai des richesses, c'est pourquoi je suis sauvé. La Bible déclare, ce n'est pas par les choses périssables, de l'argent, de l'or, que vous avez été rachetés de la même manière de vivre, hérité de vos pères. Donc si nous sommes sauvés, si nous pouvons dire que nous sommes sauvés, c'est parce que tout simplement nous avons mis, placé notre foi dans la personne de Jésus qui a payé le prix pour chacun de nous. Amen. Qui est parti au poteau de la croix de Golgotha et qui a payé le prix pour que le salut soit accordé à l'humanité. Et ce salut n'est accessible que par la foi. Simplement tu crois, Dieu ne te demande rien. Dieu ne te demande pas de payer, Dieu ne te demande pas de prier, Dieu ne te demande pas de jeûner. Pour être sauvé, tu as juste besoin de croire. Mais la foi, le salut est gratuit. Le salut n'a pas besoin d'être payé, n'a pas besoin d'être monnayé. Amen. Alléluia. Amen. Dis, il m'a sauvé. Dis avec moi, il m'a sauvé. Quelquefois, nous oublions ce que Jésus a fait. Bien-aimé, tout le reste vient après. Mais il faut toujours se rappeler du point de départ. C'est le salut. Es-tu sauvé? Parce que tu ne peux pas servir Dieu si tu n'es pas sauvé. Si tu n'es pas sauvé, Dieu n'agréera jamais ton service. Jamais. Parce qu'il y en a qui le servent
sans être payé. Le service n'est pas réservé aux croyants, aux non-croyants, pardon, aux inconvertis. Le service divin est réservé pour ceux-là qui font partie maintenant de la maison de Dieu. Gens de la maison de Dieu. Dans Psaume chapitre 100, un psaume que nous connaissons, qui dira pousser dans les ténèbres de cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Regardez le verset 2 dans Psaume chapitre 100, il est dit: servez l'Éternel avec joie et venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu et c'est lui qui nous a fait. Nous lui appartenons et nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Amen. Sache que si tu as donné ta vie à Jésus, tu appartiens maintenant à Dieu. Et si tu appartiens à Dieu, ton corps, ton esprit, ton âme deviennent la propriété privée de Dieu. Aucun démon n'a plus le droit de résider. Aucun péché n'a plus le droit de résider dans ce corps, parce que ce corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Dieu habite en toi. Tu es un peuple qui lui appartient. Tu es comme la prunelle de ses yeux. Tu es cher aux yeux du Seigneur. Dieu te garde et te protège. Dieu prend soin de toi. Tel un berger prend soin de son troupeau. Et tu fais partie du troupeau de Dieu et de ce troupeau invisible qui est sous la surveillance du divin berger. Un berger qui ne dort ni ne sommeille. Où que tu ailles, partout où que tu sois, ce berger est là. Et David pouvait dire: l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Celui qui me conduit dans le vert pâturage, celui qui me dirige près des eaux paisibles, celui qui restaure mon âme, celui, oui, qui me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Donc, même je marcherai dans le souci, dans le vallée de l'ombre de la mort, dans le trouble, je n'ai aucun mal, je ne crains aucun mal, car je sais que tu es avec moi, ton bâton et ta houlette me rassurent, et tu dresses une table en face de mes adversaires. En l'honneur dit, ma tête et ma coupe, tes morts, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel, c'est-à-dire dans la présence de Dieu, jusqu'à la fin de la zone. Oui, tu deviens membre de ce troupeau, et Dieu veut prendre soin de toi. Alléluia. Alléluia. La raison pour laquelle le service, vous devez noter, pour nous qui sommes enfants de Dieu, le service ne doit pas être une option. Donc je sers Dieu, j'ai l'option de servir ou de ne pas servir. Peut-être que tu avais cette compréhension des choses. L'Esprit de Dieu m'a dit: dis-leur, le service n'est pas une option. Le service, c'est ce que Dieu attend de toi. Il attend de toi que tu te lèves et que tu le serves. Il n'a pas dit: si vous voulez servir, non. Il dit: servez, c'est un ordre. Servez l'Éternel avec joie. Et moi, dis à ton voisin: servez l'Éternel avec joie. Et va lui encore: serve l'Éternel avec joie. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Amen. Amen, amen, amen. 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 Puisque c'est un ordre, cela veut dire que c'est un commandement. Et puisque c'est un commandement, si tu ne fais pas, tu désobéis à Dieu. Donc si tu es enfant de Dieu et tu ne sers pas Dieu, je vais expliquer ce qu'est le service divin. Sache que tu désobéis à Dieu, tu n'es pas agréable à Dieu parce que tu ne fais pas ce que Dieu attend de toi. En tant que son troupeau, en tant que membre de son troupeau, il attend de toi que tu le sers. Et dans Matthieu chapitre 11, que nous avons lu, le verset 30, il est dit: venez à moi dans votre situation, dans votre état, vous tous qui êtes fatigués par le péché, fatigués par le monde, fatigués par les démons, fatigués par les soucis, fatigués par les problèmes, fatigués par tout ce qui t'environne. Toi qui es fatigué, chargé, Jésus te dit: viens à moi, car tu n'arrives pas à servir Dieu parce que tu portes ton fardeau toi-même. La Bible dit: déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Tu ne peux pas servir Dieu en ayant tes propres charges. Non. Lui, il veut d'abord te décharger avant de te confier un service. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il dit: venez à moi. C'est à toi de marquer le pas. Avec tes problèmes, tes situations, la déception que tu as eue, les abus que tu as connus, tout ce que tu as subi. Il dit: viens à moi. Tel que tu
tu es, tel que tu es, je t'appelle tel que tu es. Il dit, viens à moi, tel que tu es, fatigué, chargé. Moi, je te donnerai du repos. Amen. Et quand tu reçois le repos, tu reçois la vie en abondance. Tu reçois la vie abondante. Une vie sans fin. Et quand tu reçois cette vie, Dieu maintenant te donne ce qu'on appelle le fardeau. Il te donne deux choses, le joug et il te donne son fardeau. Il dit mon joug est doux et mon fardeau est léger. C'est-à-dire le joug et le fardeau sont, Dieu le met sur toi dans le but que tu rentres dans le service qui t'attend. Parce que autant que les chrétiens sont sur cette terre, autant Dieu attend de chacun de rentrer dans un service divin. Amen. 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 Amen, 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 amen. Si tu es enfant de Dieu, tu dois savoir que ton modèle parfait, c'est Jésus. Amen. Et si ton modèle parfait, c'est Jésus, regarde-moi un peu Jésus. Il avait que 12 ans. Lorsque ses parents l'ont laissé à Jérusalem, ils l'ont oublié, ils partent s'en aller. La Bible déclare, 3 jours après, ils reviennent à Jérusalem. Ils le trouvent assis au milieu des docteurs de la loi. Il le trouve assis au milieu des érudits, en train de discuter des choses. Et on lui pose la question, mais mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Jésus leur répond à 12 ans, ne savez-vous pas qu'il faut? Il n'a pas dit je veux, mais il faut, c'est une obligation, que je m'occupe des affaires de mon Père. Alléluia. Donc s'il était enfant, il avait 12 ans, il avait déjà la notion du service de son Père. À combien plus forte raison, toi qui te dis petit frère de Jésus, c'est lui le modèle, n'est-ce pas? Il est le chemin, il est la vérité, la vie. C'est-à-dire celui, l'exemple parfait que nous devons suivre. Si lui, à l'âge de 12 ans, pouvait dire, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père et nous autres. Cela veut dire qu'il attend de chacun de nous de se lever et d'entrer dans le service. Car lorsqu'on entre dans le service, on commence à s'occuper des affaires du Père et des affaires du royaume. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et le service divin est l'expression de notre amour envers Dieu et de notre reconnaissance vis-à-vis du Seigneur. C'est-à-dire, ce qui prouve que tu aimes vraiment Dieu, après qu'il t'ait sauvé, tu le sais. Autrement dit, ton amour n'est pas prouvé. En quoi prouves-tu que tu aimes Dieu? Dieu prouve son amour envers nous en sacrifiant son fils. Mais comment toi tu peux en retour lui prouver que tu l'aimes, puisque tu ne fais rien? Parce que ce qu'il attend de toi, c'est que tu le sers. Mais si tu ne fais rien, si tu ne le sers pas, tu es ingrat. C'est l'ingratitude de ne pas servir Dieu. Après ce qu'il a fait pour nous, c'est ingrat de rester indifférent face à son œuvre. C'est ingrat de n'avoir ni chaud ni froid quand l'œuvre de Dieu n'avance pas. Alors qu'on a reçu les dons, alors qu'on a reçu les capacités, alors qu'on a reçu les ministères de la part de Dieu, dans un but non pour des buts égoïstes, mais c'est pour l'utilité commune, pour les autres. Mais qu'est-ce qu'on en fait? C'est pourquoi je disais, c'est un manque d'amour vis-à-vis du Seigneur et c'est une marque d'ingratitude. Si je sers Dieu, c'est l'expression de ma reconnaissance vis-à-vis de lui. Parce que qu'est-ce que je peux lui donner en échange de ce qu'il a fait pour moi? Dites-moi, qu'est-ce que vous pouvez donner à Dieu? Il y en a qui pensent que quand ils donnent un peu d'argent, là, ils pensent qu'ils enrichissent Dieu. Dieu n'en a pas besoin. Excusez-moi, Dieu n'a pas besoin de nos billets de banque. Nos billets de banque, bien aimés dans le Seigneur, Dieu n'en a pas besoin. Ça nous sert juste pour gérer les affaires humaines. La Bible dit l'or est à lui, l'argent est à lui. Quand on parle de l'or et de l'argent, on parle de métaux, de l'or métal. Vous voyez, l'argent métal. La Bible dit à l'éternel, et la terre et tout ce qu'elle renferme, tout appartient à Dieu. Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? Même ton souffle de vie lui appartient. Il décide aujourd'hui de te retirer et tu pars. J'étais à Londres, comme je disais tout à l'heure, hier, plutôt le vendredi, nous sommes allés à l'hôpital avec un enfant qui était frappé par une maladie dangereuse, ce cancer. On devait lui enlever des trucs bien aimés. J'ai vu des enfants,
deux ans, en train de, on est en train de leur faire la chimiothérapie. J'ai vu des enfants, et j'ai dit non. J'ai dit non. Bien-aimé, tu ne te rends pas compte de la santé que Dieu t'a donnée. Tu ne te rends pas compte que tu dors, tu te réveilles comme si de rien n'était. Tout est normal. Fais un tour dans les hôpitaux. Ce soir, que tout n'est pas. Il y en a qui ont besoin des appareils pour respirer, pour vivre. Il y en a qui ont besoin de l'assistance pour respirer. Mais toi, tu ne fais rien. Tu manges. Tu vas te soulager sans problème, comme si de rien n'était. C'est normal, c'est naturel. Alors que j'aimerais te dire, si Dieu te fait grâce, ce que Dieu attend de toi aussi quelque chose. Dieu attend de toi que tu te lèves. Dieu attend de toi que tu marques un pas et ce pas là, c'est dans le service divin. Amen. Dis avec moi le service divin. Encore le service divin. Paul dit, l'amour de Dieu nous presse. Si un mort pour nous, alors nous devons tous devons mourir pour lui. Et aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, sachez que lorsqu'on le sait, Dieu ne cherche pas à ce que tu sois parfait ou parfaite. Il ne cherche pas à ce que, il attend pas à ce que tu n'aies plus des défauts. Parce que nous en avons tous. Seul Jésus était parfait, sans défaut, sans tâche. C'est-à-dire qu'il nous appelle tel que nous sommes, avec nos qualités et nos défauts. Et il veut perfectionner ses défauts. Il veut les changer afin que la qualité de notre service soit améliorée, afin de toucher son cœur et qu'il soit bien-aimé dans la joie. Amen. Amen. Alors, notez trois choses en matière de service. Notre service divin s'oriente dans trois directions. Le service divin s'oriente dans trois directions. La première direction, c'est devant Dieu. Dieu veut que nous le servions, mais ça d'abord devant lui, c'est-à-dire dans sa présence. Dans la première dimension, dans la première, je dirais, direction du service, nous voyons une vie d'intimité que Dieu veut que tu puisses avoir. Une intimité, une communion réelle et profonde avec le Saint-Esprit. Une communion. La Bible déclare que celui qui s'attache à la prostituée devient un seul chair, une seule chair, pardon, avec elle. Mais celui qui s'attache au Seigneur devient un seul esprit. C'est-à-dire que tu rentres dans la communion et tu te fusionnes en Dieu. Dieu en toi, toi en Dieu, vous devenez une même personne. Alléluia. Ça, c'est la dimension que Dieu nous appelle premièrement. Comment servir Dieu? C'est d'abord dans sa présence. C'est d'abord lorsque tu viens offrir ta vie. Paul dit quoi? Je vous exhorte à la compassion de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à l'Éternel, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et tu dois offrir ta vie à Dieu. Tu dois te consacrer à Dieu. Tu dois te dédier ta vie. Tu dois y confier tout ton être. Dans la prière, dans l'adoration, dans la louange, dans les actions de grâce, des moments d'intimité, des moments où tu te retrouves seul à seul avec Dieu. Ça, c'est le premier service. Et le service le plus important, et le service fondamental, et de ce de là que nous puisons toute la force pour servir Dieu dans d'autres directions. Et lorsque tu viens devant Dieu, tu viens avec des supplications, tu viens avec des actions de grâce, tu viens avec des louanges, des adorations, offrant sans cesse à lui le fruit de l'honneur qui confesse son nom, le sacrifice de notre vie, l'adoration qui est au-delà des chants. L'adoration est une vie, est une attitude de cœur, une attitude de soumission à Dieu, une attitude où tu désires la présence de Dieu, où tu veux Dieu et Dieu seul. Pas lorsque tu pries pour demander. Lorsque nous prions, nos prières se résument dans la demande, dans les requêtes. C'est une bonne chose, mais ce que Dieu veut avoir, c'est que tu te fondes en lui. Tu deviens une seule personne avec lui. Que tu reçoives sa gloire. Et lorsque tu reçois sa gloire, alors tout le reste est possible pour toi et accessible pour toi. Ça, c'est la première dimension. Alléluia.
Alléluia. Vous savez, lorsque cette femme qui avait le vase d'albâtre est venue, elle a brisé ce vase, elle a répandu le parfum, et toute la maison était remplie de l'odeur du parfum, et telle est l'image de l'adoration. Nous devons briser nos vases, le vase de notre chair, notre corps, notre âme, qui n'aime pas les choses de Dieu. Lorsqu'il est question de la prière, on est lent, on est lourd, on traîne les pieds. Ça, c'est la chair. La chair n'aime pas Dieu. C'est pourquoi il faut la discipliner. C'est pourquoi il faut la briser. Paul dit, je traite durement mon corps, je me tiens assis, je dis, je veux être désapprouvé après avoir prêché à d'autres. Tu dois dire à ton âme et à ta chair, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Alors ma chair, tu vas te plier, car ma vie, la raison de ma vie, c'est Dieu et Dieu seul. Si je vis, c'est par lui, c'est pour lui et c'est de lui. Il est ma seule raison de vivre. Mais tu ne vis pas pour le mariage, tu ne vis pas pour les enfants, car tu ne trouveras même pas la raison de vivre dans toutes ces choses. Paul pourrait dire, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Tu as d'abord besoin de Jésus, tu as d'abord besoin de son intimité, tu as d'abord besoin de l'âme de Dieu, et le reste après. Je dis bien le reste après. C'est ça l'adoration. Dieu est Dieu seul. Comme on l'a chanté, attire-moi à toi, tu es tout pour moi. Au-delà des paroles qui sortent de nos lèvres, que ce soit l'expression de notre cœur. Tu es tout pour moi. Est-ce qu'il est vraiment tout pour toi? Non. Ce sont tes enfants qui sont tout pour toi. C'est ta femme qui est tout pour toi. C'est ton mari qui est tout pour toi. Ce sont tes parents qui sont tout pour toi. C'est l'argent qui est tout pour toi. Et là, tu ne le sers pas. Là, ton adoration est mélangée. Là, tu sers Dieu et maman. Or, Christ dira, nul ne peut servir de maître à la fois. Oui, il verra l'un, il aimera l'autre, il s'attachera à l'un, il méprisera l'autre. Que Dieu nous aide à briser le vase d'albâtre. Dis avec moi, je dois briser le vase d'albâtre. Oh, tu le dis si fermement. Dis avec moi, je dois briser ce vase d'albâtre. Amen. Lorsque tu rentres dans cette dimension, tu apprends à connaître Dieu. Dans l'adoration, Dieu se révèle. Et plus tu l'adores, plus il se révèle. Amen. Quel mystère. La Bible dit connaissant et cherchant à connaître Dieu. Tu t'approches de lui, il se révèle. Et plus tu t'approches, et plus il se révèle à toi. Et plus il te fait rentrer dans l'intimité, dans la profondeur. Oh, de gloire en gloire, dans la profondeur de sa sainteté, là où il demeure, là où sa gloire se cache, c'est là où il veut t'emmener, c'est là où il veut que tu sois. Alléluia. Oh, que Dieu nous aide. C'est pourquoi David pouvait dire à son fils Salomon, connais le Dieu de ton père. Avant de servir Dieu, tu dois d'abord le connaître. Beaucoup servent un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Comment tu veux le connaître si tu ne l'adores pas? Toi, ta prière, c'est lorsque tu écoutes les louanges. Oh non, chanter, c'est prier deux fois. Qui t'a dit ça? Amen. Dis à ton voisin, chanter, ce n'est pas prier deux fois. Amen. Non. Répète, oui. Chanter, ce n'est pas prier deux fois. Tellement que tu n'es pas un adorateur, tu ne penses pas peut-être une heure, deux heures, tu chantes seulement. Tu chantes, tu dis, chantes cette prière. Non. Le chant est un support qui nous aide à réguler notre adoration. C'est pourquoi David et les autres adoraient avec la guitare. Et les psaumes étaient les cantiques, mais qui étaient accompagnés de la musique. N'est-ce pas? Je sais que beaucoup chantaient ces prières deux fois. Mais ça, je t'ai apporté de l'aimer, ce n'est pas le cas. Amen. Est-ce que je peux décanter Amen? Amen. Dis à ton ami, connais-nous. Dis-lui, apprends à connaître Jésus. Ah, mais parce que comment faire pour le connaître? Dis-lui seulement, Seigneur, je veux te connaître. Révèle-toi à moi. Si tu le cherches, tu le trouveras. Il se laissera trouver par ceux qui le cherchent. Le problème, si tu ne le trouves pas, c'est parce que tu ne le cherches pas. Dispose de temps, dispose d'espace. Entre dans ta chambre, ferme la porte, éteins ton portable. Amène
seul à seul avec lui. Dis, Seigneur, je veux que tu me parles. Je veux te connaître. Et là, tu verras comment il se révélera à toi. Qui veut le connaître? Oh, encore plus. Qui veut le connaître? Encore plus. Amen. 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 Et dans cette adoration, Dieu est tellement jaloux, il dira, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Dans ce premier service, Dieu ne partage pas son trône de gloire. Dieu veut être le seul à régner. Et Dieu veut être le seul qui doit être cherché. C'est pourquoi, lorsque Josué est rentré avec Israël dans la terre promise, Israël a commencé à adorer d'autres dieux, de faux dieux. Il va leur dire, écoutez, choisissez qui vous voulez servir maintenant. Nous ne sommes plus dans un temps où il faut supplier les gens. Comme je le disais, je ne supplie plus les gens. Je n'appelle plus les gens pour faire des suivis charnels. Non. Je sais que si tu connais Dieu et si tu aimes Dieu, tu le serviras de tout ton cœur. Tu n'as pas besoin que quelqu'un soit derrière toi. Et dis, choisissez qui vous voulez servir. Mais si vous refusez de le servir, sachez que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dis à mon ami, c'est un choix. Dis, c'est un choix personnel. Ton peuple est poussé pour servir Dieu. Pour adorer Dieu, adorer, adorer. Ton âme montée, adorer. Non. C'est pas ça. Oh, tu dis pas avec moi. Dis, c'est pas ça. Adorez, adorez. Je me dis une chose pour les gens vont comme ça, ils vont. Non. La relation avec Dieu. Si tu as une bonne relation avec Dieu chez toi, ça se sentira dans l'assemblée. Amen. Quand les gens n'adorent pas dans l'assemblée, si vous grattez, Jésus, ils n'adorent pas. Quand tu commences à prier, tu bailles. N'est-ce pas? Amen. Amen. Deuxième direction de notre service. Nous devons servir Dieu dans l'église. Pourquoi? Deuxième direction dans l'église. Pourquoi? Tout simplement parce que, étant sauvés, nous sommes devenus membres de la famille de Dieu. Nous sommes devenus citoyens des cieux et gens de la maison de Dieu. Nous sommes devenus, le temple du Saint-Esprit. Et dans 1 Timothée chapitre 3, verset 15, Paul dit à Timothée, si je tarde, tu sauras comment tu dois te comporter dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. L'église est la maison de Dieu, mais une maison spirituelle. Alléluia. Suivez-moi bien. Une maison spirituelle. Et l'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, c'est nous, tel que nous sommes réunis. Tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, rassemblés à un endroit, quelconque, on appelle l'église locale. Et c'est là que nous servons Dieu, parce que tu ne peux pas prouver que tu sers Dieu dans l'intimité si tu n'arrives pas à exprimer le service du don que Dieu t'a donné envers les autres. Et qui ici a déjà vu Dieu? Qui a déjà vu Dieu ici? Lève la main. Personne. Ni moi, ni qui que ce soit. Personne n'a vu Dieu. Mais je peux voir Dieu en toi. Je vois Dieu dans les hommes. Je vois Dieu dans la vie de ma soeur qui est sauvée. Je vois Dieu dans la vie de mon frère qui est sauvé. Et ensemble, lorsque nous nous réunissons, c'est là maintenant que Dieu veut que nous puissions exercer notre ministère, que nous puissions servir Dieu. Alors, notez 3 textes que vous lirez à la maison. Le premier, c'est dans le livre de Romains, chapitre 12. Romains 12, verset 6 à 11. Dans Romains 12, verset 6 à 11, Paul parle des différents dons et des différents ministères. C'est-à-dire, à l'un a donné le don de foi, à un autre le ministère, à un autre l'enseignement, à un autre la libéralité, le don de libéralité, à un autre l'hospitalité, à un autre la compassion, à un autre le don d'exhortation, à un autre le don de miséricorde. C'est dans le texte que je viens de vous citer. Vous le voyez. Et tous ces dons-là, Dieu les a répartis dans l'église pour que chacun puisse l'exercer pour l'utilité commune, pour édifier et bénir l'église. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7 à 11, 1 Corinthiens 12, verset 7 à 11, la Bible nous parle là des dons spirituels.
qu'on appelle encore des charismes ou des charismes, des dons spirituels. À l'un est donné par l'esprit la parole de connaissance. À un autre est donné par l'esprit. 1 Corinthiens chapitre 12. À un autre est donné le don de la prophétie. À un autre le don de guérir les malades. À un autre le don d'interprétation de langues et de songes. À un autre, plusieurs dons spirituels sont cités. Et la Bible dit, un seul esprit le distribue à chacun comme il veut, et ce pour l'utilité commune. Alors comment peux-tu recevoir un don de Dieu et ne pas l'exercer dans l'église? Comment veux-tu recevoir un don spirituel? Toi qui as le don de guérir les malades, toi qui as le don de parler en langue, toi qui as le don de prophétiser, et qui te dit non, moi, je n'ai pas besoin d'aller à l'église, je reste à la maison c'est mon église. Voilà la séduction du diable. Amen. Le service divin doit se faire dans l'église. Qui a instauré l'église? C'est Jésus. Matthieu chapitre 16, verset 18. Il dira, tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église. Et les portes de ce jour de mon épreuve vont donc être contre elle. C'est Jésus qui a mis en place l'église. Aujourd'hui, les hommes veulent détruire l'église. Ce n'est pas parce qu'il y a des abus que l'église va mourir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il n'y a plus de... Merci. Alléluia. Amen. L'église a pour fondateur Jésus. Et tu as besoin d'appartenir à une église locale. Tu as besoin d'être attaché à une église locale pour ta croissance, pour ton évolution et pour ton service. Et qu'est-ce qu'on arrête pas d'entendre aujourd'hui? Frères et sœurs, le diable est à l'œuvre. Pourquoi? Parce qu'il cherchera à t'empêcher de servir Dieu avec les dons, les talents, les grâces que Dieu t'a donné. Voilà pourquoi il te fait rentrer dans les raisonnements, dans les faux raisonnements, pour que tu ne serves pas Dieu. Et les chrétiens aujourd'hui, les chrétiens papillons. Est-ce spirituel? Deux mois ils sont ici. 3 mois ils sont là, 4 mois ils sont là-bas. Si tu es en train de chercher l'église, ça se comprend. Prie Dieu. Mais tu dois quand même trouver une église où tu vas rester. Amen. Pas entendu ton amen. Comme on dit à moi, amen. Papillon. À moi, c'est le Saint-Esprit qui me guide. Hein. Non. Le Saint-Esprit dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Ayez une assemblée. C'est celui qui a inspiré la parole de Dieu. Amen. Et on ne veut pas de la parole de Dieu. On est peu efficace. Voilà pourquoi le diable gagne du terrain. Parce qu'il sait que quand tu le sers Dieu, quand tu sers Dieu, son royaume est en perte de vitesse. Si tous les chrétiens du monde entier servaient Dieu, bien aimé, je vous assure, le diable fuirait, il chercherait un endroit où aller. C'est pourquoi il fait tout pour t'empêcher de servir Dieu. Il fait tout. Il te combat dans les pensées, il te combat, il met en toi les dégoûts, il met en toi la fatigue. Tu as l'impression que c'est devenu la routine, tu as l'impression que c'est lourd. Amen. Ça, ce sont les attaques sataniques. Amen. Pour t'empêcher de servir Dieu. Il ne faut pas dormir, hein? Amen. Amen. Si ton voisin dort, ouvre la main comme ça. Tu donnes un coup fonctionnel. Amen. Alléluia. Amen. C'est trop sérieux. C'est trop sérieux ce que je veux dire. Le service divin. Aujourd'hui, l'église a perdu la vision. Pourquoi? Parce qu'on va bien. On n'est pas star. On est comme Simon. Jésus a dit, tu seras plus après Simon. Simon qui veut dire roseau. Un coup là, un coup là, un coup là, un coup là. Un coup, vous savez la tendance maintenant? Ah, maintenant c'est l'eau, hein, il faut prier avec l'eau. Toi aussi tu cours, l'eau. Après l'eau, c'est le plus bon. Il faut l'huile de Jérusalem. L'huile de Jérusalem. Si on vient, on va trouver des petites bouteilles. Hein. Amen. Tu es avec moi, le service divin. 1 Pierre chapitre 4, verset 10. La Bible parle des diverses grâces. Nous qui avons reçu les diverses grâces, mettons-les au service des autres. Et parmi ces grâces, vous avez aussi les talents naturels que Dieu vous a donnés.
une capacité quelconque, un don quelconque naturel, une intelligence, une facilité de pouvoir faire quelque chose. Dieu avait moi d'Israël juste pour concevoir les choses dans les temples. Il a fait de lui un ingénieur. Tu as fait des études d'ingénieur. Tu as fait, je ne sais pas, tu as des compétences quelconques. Mais tu dois comprendre que Dieu a permis que tu aies ces compétences, non seulement pour toi, mais aussi pour son œuvre, pour son service. Toi, quand tu fais la nourriture, on sent qu'on mange avec appétit. Il y a une onction qui accompagne. Quand tu dis pas amen. Parce qu'il y en a quand ils font la nourriture, tu as l'impression de. Mais toi, tu es une onction particulière. Mets ce don-là au service de Dieu. Toi, tu es un génie en informatique. Mets ce don-là au service du royaume. Qu'est-ce que tu sais faire dans la vie? Mets ce que tu sais faire au service du royaume. Et le diable t'empêche. Tu le fais dans le monde pour avoir de l'argent, au lieu de le faire pour le royaume éternel, où tu vas t'amasser des trésors dans l'éternité. Il t'empêche de le faire. Quand c'est Dieu, tu n'as pas le temps. Tu as le temps pour tout ça pour Dieu. L'Esprit de Dieu m'a dit de dire à l'Église, à son peuple, et je parle pas seulement à cette résurrection, je parle au corps de Christ. Parce qu'aujourd'hui, il y a un esprit de relâchement. Il y a un esprit d'abandon. Il y a un esprit, on ne voit plus. Il y a un esprit de dégoût. Dieu m'a dit, c'est une attaque spirituelle. Et tous les chrétiens qui sentent ces choses, vous devez rentrer dans un combat spirituel et chasser ces choses. Car Dieu vous attend dans le terrain du service. Et quand on fait le constat aujourd'hui, le constat la mer. D'après les études des pasteurs américains, sur une église de 1000 personnes par exemple, il y a moins de 100 personnes qui sont actives dans l'église. Regardez le nombre, regardez la quantité de personnes. Et Jésus l'a dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Tu es là, tu entends dans ton cœur la voix de Dieu qui te dit, tu es appelé à le servir, mais tu résistes. Dieu t'interpelle ce matin. Je te dis, mon fils, ma fille, il est temps que je te lève. Il est temps que tu rentres dans le service divin auquel je t'ai appelé. Me servir avec joie, c'est ça notre part. Alléluia. Alléluia. Pour aujourd'hui, refuse de s'engager. Pour aujourd'hui, refuse d'exercer le don. Pour aujourd'hui, se fatigue, se lâche. Il lâche progressivement. Avec le temps, il y a une vie qui est zélée. Mais plus le temps passe, plus le zèle baisse. Ils ont perdu le premier amour. Comme l'église d'Éphèse. Pourquoi encore à cause de diverses raisons? Oh, pasteur, tu vois, je suis dégoûté. Quand je regarde ce qui se passe parmi dans les églises, je suis dégoûté. Mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis que l'église est née. Ce n'est pas nouveau. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Parce que quand je regarde les dégâts qu'il y a, je suis dégoûté. Oui, qui t'a sauvé? Ce sont les personnes qui font le dégât au Jésus. Répondez-moi, s'il vous plaît. Parce que je suis dégoûté. Jésus a abusé, on est abusé. Regarde le pasteur, parce que si. Regarde le ministère. Regarde. Et avec tous les ministères aujourd'hui qui pullulent sur Internet, avec une mission principale d'attaquer et de détruire les hommes de Dieu. Il y a l'enfer qui s'est levé. Jésus a dit, ne parle de ce jour de mort, ne prévoyons point. L'enfer s'est levé. Et pour savoir que l'enfer s'est levé, regarde-toi tel que tu es. As-tu le zèle pour le service de Dieu? Ou tu marches à pas de tortue?
temps passe, plus tu perds le dynamisme. Et j'ai toujours dit à Dieu, ça a toujours été ma prière, jamais rien ne m'arrêtera dans le nom de mon service avec Dieu. Je dis bien rien. Aucun homme, aucune femme. Je dis bien aucun. Parce que je le connais. Parce que je cherche à le connaître. Parce que je l'aime. Je l'aime plus que tout. Alors tout ce que je peux lui offrir, c'est ma vie et ma jeunesse. Amen. Vous donnez tout et être fougueux pour son œuvre. Alléluia. Et Satan n'aime pas les gens qui prennent de telles résolutions. La Bible dit là, le dragon ira faire la guerre au reste de la postérité de la femme, à ceux qui gardent le témoignage de Jésus et le commandement de Dieu. Toi qui gardes le commandement, quel commandement? Le commandement de servir Dieu. Tu auras la guerre avec Satan. Mais laisse-moi dans cette guerre, il est déjà vaincu. Non, tu n'as pas compris. Dans cette guerre, il est déjà vaincu. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu, non parce qu'il prie, mais à cause du sang de l'agneau, et à cause de la parole de leur témoignage. Parce qu'ils n'ont pas élevé leur vie jusqu'à craindre la mort. Et il est temps que tu te lèves dans l'esprit, sous la puissance de l'Esprit de Dieu, et que tu t'engages dans le service divin, et que tu te lèves pour servir Dieu dans ce temps qui semble dernier. Dieu cherche une armée, Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme, Dieu cherche une personne qui va relever notre vie. Il cherche. La raison pour laquelle tu vas te lever. Troisième direction du service. C'est le service envers le monde. Quel monde? Pas besoin d'être prophète pour savoir que le monde va mal. J'ai eu hier une de mes belles soeurs au téléphone qui venait d'Abidjan et me dit, pasteur, on est arrivé ici, mais on ne sait même pas où aller. On a peur. Vous allez à l'aéroport, les gens ont la trouille. N'est-ce pas, elle dit tout à l'heure à l'aéroport, tu es là. Les gens ont la trouille au vent, les gens ont peur. Vous montez dans l'avion, vous sentez le stress. J'ai envie de me lever et dire à tout le monde, ne vous inquiétez pas, le commandant de bord est là, Jésus de Nazareth. Alléluia. Apparemment maintenant, pour ceux qui vont aller à la plage, les ces gens-là, les Daesh, les Jihadis, comment? Un nom bizarre. Ils ont un plan de se déguiser en vendant des glaces pour faire quêter les plages. Oui. Et on vient de découvrir, et ça je me permets de le dire publiquement, que la France est derrière ça. Ils financent ça. Ce qui était caché est venu à la lumière. Bien-aimé, tu n'as pas besoin d'être prophète pour savoir que le monde va mal. Que fais-tu après? Que fais-tu de ce de quelques versets bibliques que tu reçois? Le message de l'évangile que tu entends chaque jour, tu n'as pas besoin d'être pasteur, tu n'as pas besoin d'être reconnu à port prophète pour se lever et aller dire au monde que ce monde a besoin de Jésus. Et dans les jours qui viennent, préparez-vous, équipe, je vais m'adresser à la France. Je dois parler. D'ailleurs, je ne suis pas le seul, il y en a qui le font déjà. Il faut parler pour que ce peuple qui refuse Dieu, ce peuple qui vote des lois pour l'homosexualité, chose qu'il ne faut plus dire sur la chair, de peur d'être passible d'arrestation et je ne sais pas de combien d'amendes qu'il faudra payer. Ce monde, ce pays qui favorise l'avortement, ce pays qui favorise l'occultisme, ce pays de pays européens qui freine l'évangile, alors que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque le croit, ils veulent bloquer l'évangile. Je viens d'apprendre qu'en Russie, on a voté une loi pour empêcher l'évangélisation.
rédemption. Bien-aimés, attendez-vous à ces choses. Attendez-vous à ces choses dans les jours qui viennent. Ne dormez pas. Ouvre nos yeux. Regardez devant nous. Le monde se meurt. Et Dieu t'a choisi. Dieu t'a pointé. Tu es ici non par hasard. Tu n'es pas sauvé seulement pour être assis. Autrement dit, Jésus t'aurait pris le jour de ton salut, le jour de ta conversion. Mais il t'a laissé sur la terre pour que tu accomplisses une mission. Être un témoin, aller parler de lui. Paul dit, je m'acquitte de ce divin service de l'évangile, d'apporter la bonne nouvelle aux nations. Toi qui vas en vacances, qui t'a dit c'est les vacances? Dis, je vais en mission. Je n'ai pas entendu l'amen. Qu'est-ce que le pasteur raconte? Il devient malade. Non, je ne suis pas malade. Tu vas en vacances, est-ce que tu sais même si tu vas arriver ou si tu vas rentrer? Alors, mets-toi dans la peau d'un missionnaire. Dis, je veux me reposer 10 jours, mais je vais en mission. Tu es missionnaire. Tu vas en mission de service. Qui t'a envoyé? Le royaume des cieux m'a envoyé. Je suis ambassadeur. Je suis ambassadrice. Je représente le royaume des cieux sur terre. Si je suis en Afrique, je suis missionnaire. En Europe, je suis missionnaire. En Amérique, je suis missionnaire. Où que tu ailles, tu es missionnaire. Est-ce que je peux voir la main de missionnaire? Toi qui es dans les affaires, quand tu voyages pour les affaires, tu es missionnaire. Quand tu vends tes affaires, tu l'église Jésus. Amen. Tu n'as pas dit amen. Tu as raté. Voilà pourquoi Jésus dit, lorsqu'il a appelé Pierre, il dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Tu es un pêcheur. Oh, dis à ton voisin, j'ai un filet dans mes mains. Ah, il n'entend pas te dire, j'ai un filet dans ta main. Là où tu es là, tu vas jeter. Quand tu es un poste à ton travail, là, ne vois pas seulement le poste et ton salaire. De toute façon, ce n'est pas pour le salaire que tu es là. Esther, si elle était à la royauté, c'était pour un but. Tu es comme Esther. Là où je t'amène à l'élévation, parce que le pasteur aura du mal à parler à ton patron. Mais moi, je te contamine avec la parole. Toi, quand tu vas au boulot, tu dois contaminer le patron. Tu dis, patron, répands-toi. Il faut lui parler de Jésus. Amen. C'est bien maintenant. Amen. Okay. Bien aimé, je vais redire deux choses majeures avant de nous. Pour servir Dieu, il y a des recommandations. Notez les rapidement parce que nous avons fait. Des recommandations. Bien sûr, de la part de Dieu. Première recommandation, vous lirez dans Romains 12, verset 11. Dieu dit, ayez du zèle. Et non de la paresse, soyez fermes en esprit et servez Dieu. Pour servir Dieu efficacement, tu as besoin du zèle. Le zèle, c'est quoi? C'est l'empressement. C'est une vive ardeur pour le service de Dieu. L'empressement. C'est lorsque tu es dévoué quelque chose. L'empressement. Une ardeur pour le service de Dieu. C'est ça le zèle. Mais la Bible parle aussi d'un zèle amer. Mais il ne faut pas avoir le zèle amer. Il faut avoir le zèle avec intelligence. Amen. Ou tu ne cherches pas à ce qu'on parle de toi. Tu ne cherches pas à être vu. L'essentiel est que le message passe. Et que tu sois le canal par lequel Dieu veut traiter les gens. Et deuxième chose, je dis, Paul dit, n'ayez pas la paresse. Voilà un des obstacles au service divin, c'est la paresse. Mardi, j'ai eu le temps de développer beaucoup de points. Le temps manquerait pour revenir sur ça. Je parlais du gaspillage, je parlais de l'ignorance, je parlais du désordre, de plein de choses qui nous évitent, qui nous empêchent, pardon, de servir efficacement le Seigneur. Lorsqu'on est éparpillé, on est à gauche, à droite, on n'est pas focalisé sur un but. On perd le temps. Alors la Bible dit, achetez le temps car les jours sont mauvais. La paresse, c'est lorsqu'on est oisif. C'est lorsqu'on est répugnant par rapport au travail. Le service exige un travail. Ça exige que tu rentres en action.
Et la paresse te poussait à ne rien faire. Il dit, évitez la paresse. N'ayez pas la paresse. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, ne sois pas paresseux. Tu peux le répéter encore, ne sois pas paresseux. Non, c'est pas lui qui le dit, c'est moi qui demande de me dire. C'est après avoir fait une frère. Tu vas pas traiter de paresseux. C'est pas si c'est moi qui le dis. Amen. 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 Il dit, soyez fervent d'esprit. On parle de la ferveur. Vous voyez, cet empressement pour servir Dieu. Et dans 1 Chroniques chapitre 28, verset 9 que nous avons lu, David dit à son fils, serve Dieu d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Là encore, nous voyons deux choses, deux caractéristiques de celui qui doit servir Dieu. David insiste d'abord sur le cœur ou l'âme. Bien-aimé, très souvent on cherche à servir Dieu alors qu'on n'a pas le cœur du serviteur. Avant de faire, il faut être. Parce que être vaut mieux que faire. Tu peux faire et ne pas être, et ça ne marchera pas. Mais si tu es, tu feras forcément. Est-ce que tout le monde m'entend? Développe un cœur de serviteur. Dis avec moi, un cœur de serviteur. Et encore une fois, un cœur de serviteur. Et ce cœur de serviteur va te donner la mentalité de serviteur que je vais essayer de développer rapidement. Autre chose, il dit, avec un cœur dévoué. Un cœur dévoué, un cœur zélé. Un cœur plein d'empressement. Comme David, comme Abraham, comme Moïse, Samuel, eux tous, des gens qui sont entièrement adonnés aux choses de Dieu. Avec une âme bien disposée, on parle de la disposition de cœur. La disposition de cœur fait de toi quelqu'un qui ne va pas être rebelle. Rebelle à Dieu. Quand on a une âme bien disposée, on est prêt à servir. Aujourd'hui, lorsqu'on dit « Serre Dieu », il y en a tout le temps qui boule, qui traîne le pied, qui murmure, s'il n'a pas un cœur dévoué. Il faut servir Dieu avec joie. Amen. Et non avec murmure, avec hésitation. Si tu murmures dans ton cœur, alors ne le fais pas. Ne le fais pas. Une âme bien disposée, c'est une âme disponible. Une âme qui laisse accès à Dieu. Une âme qui est sincère, une âme qui ne cherche pas à être vue, car il se peut que tu sers Dieu pour qu'on te voie. Vous en connaissez ces personnes, non? Il y en a qui servent Dieu pour qu'on les voie, qu'on les remarque. Il y en a même quand ils s'aiment, ils disent, pasteur, tu as vu dans l'enveloppe là, c'était moi. Hein? On n'a pas besoin de ça. Ce que la main gauche donne, la main droite ne doit pas savoir. Alléluia! Est-ce que je peux parler encore ce matin? Psaume 51, verset 12. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Bien-aimé, tu dois demander à Dieu, donne-moi un cœur bien disposé afin de te servir. Lorsque tu as un cœur bien disposé, tu n'arriveras pas tout le temps en retard quand il est question de servir Dieu. Amen. Un cœur bien disposé, tu cours quand ce sont les choses de Dieu. Tu t'empresses. Des fois, quand je vois le match de finale, France-Portugal, vous voyez les gens, ils sont là depuis très tôt. Il y en a qui disent France, on va gagner, ils sont là, joyeux. Pour un match, un Dieu football. Amen. Amen. Un des chrétiens, quand il y a un match, il fuit l'église. Fais comme ça, toi. C'est pas ton cas. Hein? Ah, pasteur, aujourd'hui c'est le final. Hein? Pasteur, c'est la finale. France, Portugal. Il y en a même qui vont prophétiser. France va gagner. Ouais, je dis, Dieu va descendre du ciel juste pour donner une prophétie que la France va gagner. Que Dieu nous aide. Alléluia. Il y en a, c'est l'excès des ailes. C'est pas qui sert pour prophète. C'est le trône de Dieu, c'est l'excès des ailes. C'est pas parce que quelqu'un donne une fausse prophétie que forcément il est le bon prophète. C'était peut-être son cœur aussi. Enfin,
C'est pas moi déjà. Alléluia. Alléluia. Dis à ton ami, est-ce que tu es un homme bien disposé? Non, pose la question, est-ce que tu es un homme bien disposé? Comment est ton âme? Toi, pour servir Dieu, tu penses que servir Dieu, c'est prendre le micro. Non, tu peux parler la salle avec joie, avec onction. Mardi, j'ai témoigné ici. Moi, quand j'ai commencé le service, j'étais nettoyeur de la salle. Et je le faisais avec onction. Mais quand tu rentres, tu as l'impression envie de rester. Après, j'étais responsable du social. J'ai dissipé la collectivité pour prêter comme pas possible. Après, responsable de la chorale et de la jeunesse. Et j'ai commencé à monter petit à petit. Quand tu es fidèle dans les petites choses, tu ne sais pas dans les grandes. Mais il y en a, ils ont un ministère. Tu dis, frère, c'est à la sainte, c'est non, parce qu'on me rabaisse. On ne me reconnaît pas. Oh! Avec moi. Oh. Oh. Pour toi, servir Dieu, c'est quoi? C'est prendre le micro et dire toi, lui, il rêve le jour, je vais. Apparemment, ils appellent ça, je vais manger le maïs. Le jour, je vais manger le maïs. On saura les tels, moi, je me chauffe. Et ce jour-là, même si on te lève, tu vas commencer à dire Alléluia, tu cries. Hein? Alléluia. Aimé, tu n'as pas besoin de choisir les tâches. Je n'ai pas besoin. Quelque chose à faire ici à l'église. Je peux le faire, je le fais. J'ai la capacité, je le fais. Je peux aller prendre quelqu'un à l'aéroport, je le fais avec joie. Je peux visiter un malade, je le fais avec joie. Je peux prier, je peux aller voir les prisonniers, je le fais avec joie. Des fois, je le fais sans que personne ne sache. Mais toi, quand tu fais une chose, tu dois appeler le pasteur. Pasteur, t'as vu, hein? J'étais parti. Hein? Comme ça, le pasteur, en réalité, tu es en train d'envier un poste. Parce que si je le fais et qu'on te reconnaît, en fait, on ne t'a pas encore reconnu, parce que Dieu ne t'a pas encore reconnu, tu dis non, on me bloque. Tiens, ton voisin, personne ne peut te reconnaître. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Bien aimé, un cœur disposé. Cherche avec le nom que tu as. Appelle ce message. Ne sors pas d'ici tel que tu es rentré. Prends une décision radicale dans ton cœur. Car Dieu ne parle pas en vain. Décision. Tu dois rentrer dans quelque chose. Tu dois faire quelque chose pour ton Dieu que tu aimes. Amen. Amen. Notez cinq qualités majeures. Et je termine là. Pour un serviteur de Dieu, premièrement, pour mieux servir Dieu, tu dois avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Deutéronome chapitre 10, verset 20. Deutéronome 10, verset 20, il dit, tu craindras l'Éternel et tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jureras par son nom. Amen. Tu veux que tu craignes son nom. Craindre Dieu, ce quoi? C'est haïr le mal. Tu ne peux pas dire que tu es serviteur, servant de Dieu et tu te retrouves dans le mal, dans les magouilles. Tu te retrouves dans la fraude, dans l'escroquerie, dans le mensonge, dans les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Non. Parce que si tu le fais, le nom du Seigneur sera blasphémé à cause de toi. D'où la crainte de Dieu. Deuxièmement, deuxième qualité pour un serviteur. Ce que Dieu attend d'un serviteur, c'est l'obéissance. Si tu es un serviteur, tu dois développer un cœur d'obéissance. Un cœur obéissant. Obéir aux autorités spirituelles. Obéir à tes supérieurs, obéir aux responsables de ton département, obéir au pasteur principal de l'église, obéir à ton mari, obéir si tu es enfant à tes parents, obéir aux autorités. Car c'est anormal de dire je sers Dieu, qu'à la maison tu n'écoutes pas les parents. Alléluia. Et à l'église, on s'est dit, c'est le chantre de l'Éternel. C'est un chantre. Il craint Dieu. Parce que quand tu chantes, on est impressionné. Non, on n'est pas impressionné par ça. À la maison, est-ce que tu respectes tes parents? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Amen. L'obéissance. Dis avec moi l'obéissance. L'obéissance. Luc chapitre 17, verset 10. Luc 17, verset 10, il dit. Vous de même, lorsque vous aurez fait ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles et nous avons fait ce que nous devions faire. Sachez que tout serviteur a des ordres. Tu ne peux pas te dire je suis serviteur ou servant et qui te donne des ordres et tu reçois des ordres de qui? Moi je reçois des ordres.
Je fais les choses d'après les ordres du Seigneur. Et aussi d'après les ordres de l'autorité spirituelle de laquelle je dépends. Et toi, tu dépends de qui? Troisième chose, troisième qualité, il faut l'humilité. Pour servir Dieu efficacement, il faut l'humilité. L'humilité, c'est quoi? Cette capacité de se rabaisser soi-même. Détruire l'orgueil en toi. Sachant que le service lui-même est une preuve d'humilité. Philippiens 2, verset 5. Et en vous, le sentiment qui était en Jésus, qui existait en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal de Dieu. Il s'est dépouillé lui-même. Et dans Marc 10, 45, Marc chapitre 10, verset 45, Jésus dira, le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. Jésus est venu pour servir. Mais aujourd'hui, nous cherchons à être servis. Marc chapitre 10, verset 45. Quatrième point, si tu veux être un serviteur efficace, tu dois accepter de payer le prix. Tu dois accepter le sacrifice. Le sacrifice, payer le prix. Bon, aujourd'hui, très peu de gens veulent payer le prix pour les choses de Dieu. La génération des serviteurs et des servantes aujourd'hui veulent les choses facilement. Parce que pour eux, le ministère, c'est lorsque tu es bien habillé, belle photo sur Facebook, tac, belle montre. Men of God. Yeah. Alléluia. Amen. On ne me voit pas dans ces choses. Non. Jean-Baptiste dit, il faut que je diminue et que Jésus commence. L'humilité. Aide-moi à dire à ton voisin l'humilité. Aide-moi à dire l'humilité. Dis-lui également le sacrifice. Bien-aimé, tous ceux qui ont servi Dieu ont sacrifié quelque chose. Tu ne peux pas servir Dieu sans sacrifier. Abraham a sacrifié Isaac. Jérémie, Dieu lui dira, tu ne te marieras pas. Tu restes célibataire à vie pour me servir. Tu vas l'accepter? Je sais que c'est non. Alléluia. Ézéchiel, Dieu tue sa femme. Et Dieu lui dit, ne porte pas le vol. Va annoncer ma parole. Tu as quelqu'un, ton épouse qui est morte, décédée, et toi tu vas annoncer l'évangile. Tu es prêt? Oh, servir, sacrifice. Quand les disciples ont dit à Jésus, permets-nous d'abord d'aller ensevelir notre père qui est mort, Jésus leur dira, laissez les morts enterrer leurs morts. Toi, va annoncer l'évangile. Ça, c'est le sacrifice. Bien-aimé, il y a un prix à payer. Tu ne peux pas remporter les choses de Dieu, être agréable dans le service divin, sans lâcher quelque chose. Il y a quelque chose que tu dois lâcher. Tu dois sacrifier ton temps, tu dois sacrifier ton argent, tu dois sacrifier quelque chose à sortir de toi pour être sacrifié. Et enfin, une autre qualité pour servir Dieu. Une qualité suprême que je dirais, l'amour de Dieu. Bien-aimés, tous ceux qui ont servi Dieu vous diront qu'ils n'ont pas fait parce qu'on les a poussés. Parce que l'amour de Dieu les pousse à faire des choses. Et c'est là la plus grande dimension du service. Quand tu fais les choses, pas quand on t'appelle. Oh frère, on t'a pas vu, hein. Et après quand on t'appelle deux fois, on dit, ah lui aussi il exagère. Pourquoi il t'appelle ça? Non. Le niveau du service où tu es conscient tellement du travail, de l'œuvre de Dieu, que tu le fais avec amour. Jésus a dit à Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. En réalité, le fait de paître, de servir Dieu, c'est la réponse ou la conséquence de l'amour de Pierre vis-à-vis de Jésus. Tu ne sers pas Jésus parce que tu ne l'aimes pas. Beaucoup le servent parce qu'ils pensent en le servir pour avoir l'argent. Non. Tu le sais, quand on sert Dieu pour une récompense, on a de mauvaises motivations. Quoi que Dieu récompense, je vais finir par ça. Dieu récompense toujours. Mais tu ne dois pas le servir pour être récompensé. Parce que si tu attends la récompense, si la récompense ne vient pas, tu vas bouder. Tu vas. Moi, ça fait 2 ans que je sers, mais je ne vois rien. Continue. Alléluia. Amen. Continue. L'amour. Ton amour pour Dieu doit être sans fin. Ton amour pour Dieu doit être sans limite. Alléluia. Amen. Amen.
Et pour finir, tous ceux qui servent Dieu ont des récompenses. Dieu récompensera. Dieu est un Dieu fidèle. Il ne te laissera pas le servir comme ça et te laisser tel que tu es. Non, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Il est impossible de servir un grand Dieu sans récompense. Je dis, mais il est impossible. Tout ce que tu fais, même si toi tu l'oublies, Dieu ne l'oublie pas. Alléluia. Toi qui es là, oh pasteur, j'avais tellement semé, je n'ai rien vu. J'avais tellement fait ceci, j'ai tellement aidé les gens, je n'ai rien vu. Sache que même si les gens ne te rendent pas, Dieu te le rendra. Parce que c'est un Dieu fidèle. Yes. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Là, ne t'attends pas à un homme. Si tu t'attends aujourd'hui, tu seras déçu. Attends-toi à Dieu. Mais Seigneur, je te sers. Et c'est toi qui me rémunéreras. T'as plus dit, il faut que ceux qui s'approchent de lui croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est lui qui va te payer. C'est lui qui te donnera ton salaire. Moi, j'ai un salaire merveilleux. Attendez, tu as commencé à attendre encore quelques mois. Amen. Ah, tu es jaloux pour moi. Attends encore quelques mois, le pasteur. Hallelujah. De quoi je dis, Seigneur, ça fait quand même 16 ans. 16 ans, vraiment. Moi, ça fait 16 ans. Toi, à peine 3 ans, tu bailles. Je suis dans les marges, je suis fatigué. Non, la persévérance paye. La constance paye. Tu veux être serviteur, servant de Dieu? Sois constant. Ne sois pas un chrétien yo-yo, un serviteur yo-yo. Deux mois, tout feu, tout flamme. Trois mois, bref. Frère, ça va? Oh. Le désert, j'ai des problèmes, pasteur. Tu comprends? Non, mon frère, non, ma soeur. Persévérance. Attrape ton voisin. Dis persévérance. Non, non, c'est ça. Non, attrape-le, attrape-le. Dis-lui persévérance. Dis-lui constance. Dis-lui constance. Oui, frère. Constance. Même si je ne vois rien, je continue. Même quand quelqu'un m'a blessé, j'ai mal. Je boite un peu, mais je continue. Je sais que pendant la marche, il va guérir ma blessure. Je ne m'arrête pas. Alléluia. Oh non, pasteur, je prends un peu de recul. Non! Finis ce temps-là. Rentre, même quand je suis blessé, il guérira ma blessure. Tout le monde qui guérit. Ce n'est pas le temps qui guérit, c'est Dieu qui guérit. Alors laisse Dieu te guérir. Laisse Dieu penser ta plaie. Laisse Dieu te restaurer. Ah, pasteur, j'étais décidé de guérir. J'étais décidé. Même si j'étais décidé. Nous Africains. Alléluia. Alléluia. Quand je connais quelqu'un. Ceux qui se confient en lui ne seront jamais confondus, jamais à la confusion, jamais. Moi, j'ai connu une grande déception dans ma vie, une grande, un coup dur, vous n'avez pas l'idée. Quand je regardais le prix à payer, et quand je regardais la décision que je voulais prendre, Dieu m'a dit, si tu abandonnes, tu arrêtes tout. Mais si tu te lèves, tu acceptes de payer le prix, je bénirai ta prière. Et mais malgré la plaie, je continue à marcher. Malgré des fois, je ne comprenais rien. Je continue à marcher jusqu'à ce jour. Et aujourd'hui, j'ai mes deux pieds debout. Je suis complètement guéri. Et je deviens une source de guérison pour beaucoup. Et même dans le Seigneur, nous ne sommes pas les seuls qui se retirent pour se perdre. Un sang de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme, pour bouleverser cette génération. Dieu cherche les serviteurs. Dieu te récompensera. Dieu va te payer. Dieu va te payer. Quand tu as au quoi, Dieu va te payer. En fait, tu ne parles pas parce que tu ne sers pas. Dis-lui, Dieu va te payer. Ton service sera récompensé. En Jean 12, verset 26, Jésus dit, si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Dieu va te demander. Il va te demander de toi. Il va te recommander auprès des hommes. Oh. Il fera de toi ce qu'aucun homme n'a fait. Quand Dieu te bénit, la vie, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Deuxième raison, Exode chapitre 23, verset 25. Notez ça parce que c'est très important.
Exode 23, verset 25, il est dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et votre eau et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Voilà la récompense de ceux qui servent Dieu. Il dit, si tu sers Dieu, Dieu va bénir ton pain, c'est-à-dire il va bénir ton panier, il va bénir ton eau, il va bénir ta cruche. Cela veut dire, tu ne connaîtras jamais de disette. Tu ne connaîtras jamais la sécheresse. Quand bien même on dit qu'en France il y a la crise, dis c'est pour eux et non pour moi qui sert l'Éternel. Enfin, on a l'occasion de dire amen. Quand on dit les portes sont fermées pour tout le monde, c'est fermé pour tous ceux qui ne servent pas Dieu. Mais pour ceux qui servent Dieu, nous avons une banque céleste. Nous avons les trésors au ciel. Et Dieu va ouvrir son bon trésor le ciel et il va t'arroser de la pluie. Si tu sers Dieu, tu as le droit de dire à Dieu, Seigneur, je refuse le chômage, je veux travailler. Quand on dit personne ne va travailler, toi tu trouveras le travail. Amen. Oh non, je crois que tu allais dire amen. Alléluia. Alléluia. Je dis, je te bénirai. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Et quand il bénit, il ne peut suivre la bénédiction d'aucun chagrin. Tu seras béni, au travail béni, à la maison béni, dehors béni, en voyage béni, au partout où tu es béni. Il dit, j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi. Il y a un ordre. Quand tu marches, quand tu sers Dieu, et la bénédiction te suit. Tu sers Dieu, la bénédiction te suit. Tu sers Dieu, la bénédiction te suit. Tu sers Dieu, la bénédiction te suit. Le mariage va te suivre. Oh, pas les enfants. Les enfants vont te suivre. Quoi? Tu veux l'argent? Tu veux être millionnaire pour le royaume de Dieu? Ne t'inquiète pas, dis ça, c'est un petit problème. Donc, dis-le en français, c'est un petit problème. Moi, cher Dieu. Parce que le servant, il va juste te connecter avec le Père. C'est un Dieu de connexion. Une connexion dans ta vie peut changer toute ta vie. Dans ta vie, ça peut changer ta vie. Oh, je prie que Dieu te fasse rencontrer la personne de ta destinée. Celui qui a la clé de ta destinée. Celui qui a ta bénédiction entre les mains. C'est pourquoi tu as intérêt de servir Dieu. Il n'y avait personne à servir Dieu et il est resté dans la disette. Personne. J'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point fui un juste abandonné. Et sa postérité m'a montré en son pain. Amen. Et pour finir, Jésus, Pierre pose la question à Jésus, Seigneur, nous t'avons suivi, nous avons tout laissé. J'ai laissé ma femme, j'ai laissé mes enfants, j'ai laissé mes maisons, mes terres, qu'avons-nous gagné? Jésus lui dit, il n'y a personne qui, à cause de mon nom et du royaume, qui a laissé sa femme, ses enfants, ses terres, ses maisons, et qui m'a suivi, que nous reçoivent le sanctuaire avec le verset des chants. Cela veut dire quoi? À chaque fois que tu te sacrifies pour le royaume, sache que Dieu te bénira fois 100. Amen. 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 Je ne parle pas. Je te parle à toi. Je dis à chaque fois que tu sers Dieu, prends la bénédiction que tu apportes de Dieu, multiplie ça par 100. Amen. C'est ça qui recommence. Non seulement il te bénit au centuple, ici avec les persécutions, il te promet ensuite le ciel. Il te promet ensuite, parce que tout ce que tu as sur cette terre passera. Mais il y a un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se flétrir, ni se suer, qui est réservé aux cieux. Bien-aimé dans le Seigneur, après la terre, tu vas te rejoindre au ciel. Qui peut servir Dieu? Je suis en train de rêver. Je veux dire, qui veut réellement servir Dieu? Alors si c'est le cas de toi, nous allons faire juste 2 minutes de prière. 2 minutes. Lève-toi vers Dieu. Si tu es là, tu sais que tu hésitais à t'engager, à te servir Dieu,
ou encore tu servais Dieu, mais tu as lâché. Ou tu as ralenti ton élan à baisser. Et tu venais prendre une décision ferme. Là où tu es, je ne te demanderai pas de venir devant, car c'est une affaire de cœur à cœur avec Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je me réponds. Et tu vas demander à Dieu de t'aider. Et tu vas prendre cette décision, oui, de le servir. Là où tu es, lève ta voix. Commence à prier avec moi.
cherché sur la terre. Quand je suis reconnaissant de Dieu sur la terre. J'ai pris une bonne décision de vie. Une décision de pouvoir me rapprocher de Dieu. Une décision pour avancer avec le Seigneur. Et Dieu veut honorer cette décision. Et il t'accorde son pardon. Et il t'accorde ta puissance et sa plénitude. Oui, l'Esprit de Dieu vient sur toi. Et l'Esprit de Dieu va commencer à t'agiter à partir d'aujourd'hui et jusque dans la suite. Parce qu'il y a un appel de Dieu sur ta vie. Il y a un appel de Dieu sur ta vie. Et tu ne pourras pas fuir cet appel. Car Dieu est en train de t'appeler depuis un certain temps. Il y avait combien de résistance dans ton cœur. Et la main de Dieu arrive sur toi maintenant. Maintenant. Oh Seigneur, merci de visiter cette jeune fille. Merci de leur visiter. Dieu a mis dans toi la parole prophétique. Dieu a déposé dans ta bouche la parole prophétique. Oui, ta bouche va sourire. Ta bouche va sourire. Tu vas l'ouvrir, nous parler. Et Dieu veut parler au travers de toi. Dieu t'a choisi comme un canal par lequel tu veux se révéler à beaucoup de personnes. Il me dit à une personne ici à ma gauche, pourquoi est-ce que tu doutes? Pourquoi est-ce que tu doutes? À chaque fois que je parle, pourquoi est-ce que tu doutes? C'est mon esprit qui te parle. Libère-moi et libère ma parole. Libère ma parole. Oui, c'est matin. Il est en train de réveiller les dents. Il est en train de réveiller les dents spirituelles. Il est en train de réveiller les dents spirituelles. Il est en train de réveiller les dents qui étaient étouffées maintenant. Oh, soyez réveillés, soyez réveillés. Maintenant, il souffle maintenant. Là où tu es, tu reçois cela de la part de Dieu. Je dis, tu reçois cela. Une personne est appelée à marcher pour Dieu. Il y a un appel évangéliste dans ta vie. Je te dis, c'est le moment, lève-toi et pars annoncer ma parole. Je demande des sorciers nouvelles, des sorciers nouvelles de marcher. Au nom de Jésus, il y a une personne qui te a donné le don de guérison. Je te dis, que fais-tu de ce don? Que fais-tu de ce don? Que fais-tu de ce don? Voici la puissance. À rentrer dans une dimension de prière prophétique. Dieu t'appelle intercesseur. Dieu t'appelle dans le ministère d'intercession. Pourquoi résistes-tu à l'appel de Dieu? Ton heure a sonné, femme. Ton heure a sonné, femme. Dieu te dit, lève-toi et entre dans la dimension de la prière. Voici la puissance de Dieu. Et là, tu veux que Dieu t'utilise. Tu veux réellement te lever pour le service divin. Et tu aimerais que Dieu t'utilise. Je te demande juste là où tu es, lève-toi et lève tes mains. Tous ceux qui veulent que Dieu les utilise. Dans une autre dimension. Tu as commencé à vivre des choses, mais tu as l'impression que c'est la routine. Tu veux passer à une autre étape. Tu veux passer à une autre phase. Voici ce que le Saint-Esprit me dit. Tu veux passer à une autre phase. Lève tes mains. Lève tes mains. Oh, il y a une personne que Dieu appelle au ministère de la prédication. Dieu t'appelle au ministère de la prédication. La main de Dieu arrive sur toi. La main de Dieu arrive sur toi. La main de Dieu arrive sur toi. Dieu te dit, ouvre ta bouche, avale encore la parole. Avale encore la parole. Avale encore la parole. Car je veux t'utiliser. Je veux t'utiliser. Je veux t'utiliser. Je veux t'utiliser. Tu as un appel pour cela. Dieu te dit, il veut t'utiliser. Il veut t'utiliser. Oui, pour tous qui voulaient être utilisés par Dieu, levez vos mains. Levez vos mains. Peu importe le domaine. Tu as le don de finance, le don de libéralité. Tu veux semer dans l'œuvre de Dieu. Quelquefois les moyens te manquent. Mais tu as la volonté, mais les moyens te manquent. Lève également tes mains. Dieu veut déposer quelque chose entre tes mains.
tu vas vivre des miracles puissants de la part de Dieu. Dieu va te faire rentrer dans une phase de surnaturel. Dieu va te faire rentrer dans une phase de surnaturel. Pendant que tu as tes mains levées, reçois cela de la part de Dieu maintenant même. Je dis reçois cela maintenant même de la part de Dieu. Reçois cela maintenant même. Il y a une personne ici, tu t'es vu en train de, dans un songe, tu priais les paralytiques se lever, marcher. Tu as prié les sourds entendaient. Tu as vu cela. Dieu me dit, il t'a donné un ministère d'évangéliste. Il y a un ministère d'évangéliste dans ta vie. Dans ta vie. Entre encore dans une dimension profonde pour chercher Dieu. Ces choses que tu as vues, tu le verras arriver. 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 Je brise l'esprit de confusion qui est dans ton cœur, dans tes pensées. À chaque fois que tu veux te lever, tu prends des bonnes décisions. Tu te retrouves comme dans une confusion. C'est une attaque démoniaque. Je détruis cela maintenant dans ta vie, au nom de Jésus. Vous tous qui avez levé la main, je demande que mon Dieu vous touche, que mon Dieu vous visite, que Dieu bénisse votre vie et que vous vous leviez dans ces temps qui sont les derniers. Et que vous alliez pour servir Dieu. Demandez à Dieu de vous révéler à quoi il vous appelle. Demandez-lui de vous révéler ce qu'il attend de vous. N'attendez pas seulement que le pasteur ou l'église le dise. Demandez à Dieu. Il vous révélera, venez me voir, je vous aiderai. Demandez à Dieu. Maintenant même, tu reçois la révélation. Maintenant même, tu reçois la révélation. Il y a une personne ici, tu as reçu le don de révélation, mais ce don était comme bloqué. Tu es reçu avec comme un voile. Même quand tu as des songes, à ton réveil, tu les oublies. La main de Dieu arrive sur toi et brise ce voile. C'est une attaque de la sorcellerie pour t'empêcher de percer dans le spirituel. Car Dieu t'appelle à être comme un aigle. Dieu t'appelle à percer et à voir loin. Ce voile est brisé. Fire! Quelque chose ce matin, quelque chose ce matin. La main de Dieu te touche là où tu es. La main de Dieu te touche. 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 Que Dieu bénisse ta famille. Que Dieu bénisse vos projets. Que Dieu bénisse vos entreprises. Et que vous vous leviez. Et qu'ensemble nous nous levions pour servir Dieu. Et Satan doit tomber. Les œuvres du diable doivent être détruites. Et Dieu a une armée qui se lève. Et cette armée va tenir le flambeau du réveil spirituel dans les nations. Cette armée va se lever pour prier, pour renverser les forteresses et pour établir le royaume de Dieu au nom puissant de Jésus. Et nous disons à tous amen, amen, amen. Et nous l'acclamons très fort. Merci Jésus. Est-ce que quelqu'un peut l'acclamer très fort?